Wesh, Easy Caramel. Bienvenue sur 5 Star Tarot. On va faire le Divine Masculine. Ouais. Fatia Shemat, merci pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Lydia Napoli, merci pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Maëlys Carpal, merci pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Marjorie Paulet, merci pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Que des meufs, hein? Fatia Shemat, pardon, Tia, merci pour tout. Merci. Delphine Thier, merci pour le 5. Marie-Françoise Ngonja, merci pour le 11-11. Tia, merci pour le 11-11, ça me fait super plaisir. Béatrice Tebeau, merci pour le 30. Nadège Rousseau, merci pour le 22-22. AVDT, thank you for the 25. Delphine T, merci pour le 5. Je m'arrête quand c'est un mec qui m'a envoyé la thune. Guillaume Thubault, merci pour le 777. C'est le bar du fou, toi, non? Je crois bien, oui. Bar du fou, c'est ça. Merci pour le 777. Donc voilà, je m'arrête là. Merci pour tout. Merci pour vos donations. Merci pour vos likes. Merci pour vos donations. Merci pour les abonnements. Merci pour tout ça. C'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Parce que moi, j'ai que dalle pour vous, mon collectif. Alors donc, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, j'ai que dalle pour vous. Et puis, c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus. Et c'est parti. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, j'ai que dalle pour vous. Je sais, je l'ai déjà dit, je me répète. Donc, voilà. Hop. Voilà. En plus, je sais pas battre mon jeu. Bon, allez, c'est parti, c'est parti. Ça fait longtemps que je devais vous le faire, hein. Mais j'ai pris un petit peu de retard cette semaine. Je vais me rattraper. En plus, je vous prépare des petits trucs en préparation. J'espère, je travaille beaucoup. J'espère que ce sera prêt pour Noël. Donc voilà, mes amis. Hein, si vous en avez marre, vous achetez les mêmes merdes pour Noël, toujours les jeux tout pourris là. Bah, GG, il est en train de vous faire un truc en préparation. Mais c'est clair. Putain, je sais pas battre ma carte, mes cartes. Allez, vite. Je fais ça vite, hein, une dernière fois, et après. Je sais pas battre mes cartes et j'y connais rien au tarot. Donc pour ceux qui sont venus voir une émission de tarot, bienvenue sur Face à Tarot, la chaîne qui ne connaît rien, mais absolument rien au tarot. J'utilise le tarot de la création de K qui m'a été offert par Karen, numéro 28 sur 50. Donc très peu d'exemplaires au monde. Donc merci à toi Karen. Donc si vous voulez commander des tarots à la création de K, et ben, vous tapez la création de K sur Google et vous avez tous ces oracles, tous ces tarots. Elle est vraiment extraordinaire. Je ne lui ai jamais envoyé un petit mail pour la remercier, mais tous les jours que les étoiles, que l'univers fait, eh ben, je parle de Karen. Voilà, je promote son game, son jeu de tarot qui est magnifique, le tarot de la femme moderne. Allez, c'est parti. Je sais, vous n'en avez rien à foutre. Tout ce que vous voulez, c'est que je vous balance le reading, et c'est bien ce que j'ai l'intention de faire, mes amis. Le temps que les guides me mettent ce jeu en ordre. Après, je vais aller clarifier avec le Animal Deck, le Wild Hunt No Tarot. Et puis on va voir ce que l'univers a en stock, ce que l'univers a à nous raconter sur ce divin masculin. Et voir si jamais il est en chemin, s'il y a des trucs de nouveau, si c'est toujours la même histoire, il arrive. Il quitte la tierce. Patati patata, les guides me disent que le jeu est en ordre, donc je ne touche plus, absolument plus à rien. Et c'est parti mes amis. Je regarde quand même l'énergie qui porte le jeu et c'est wouh, le Hiérophant, the choice, alright. Énergie des taureaux, donc ça vient de me dire que... Ça me parle du choix, ça me parle. Bah, Hiérophante, c'est quoi? C'est un peu la source qui guide quoi? Bah, le divin masculin et la divine féminine. Hein. Que vous soyez la divine féminine ou le masculin, je ne parle d'énergie ici. Donc vous pouvez avoir une espèce de truc qui pendouille entre les jambes là et vous pouvez être quand même la divine féminine. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez être un homme et être la divine féminine et vous pouvez être le masculin et être la divine féminine. Ou alors un autre truc qui pendouille, je dirais moindrement entre les jambes. Et vous pourriez être le divin masculin. Bon, bref, on se comprend. Hein. Donc, c'est parti. Donc, le Hiérophante, c'est vraiment. C'est dans le Pamela Colesmith, hein, et non le Rider, le Rider-Waite, ce que vous voulez, c'est la maison d'édition, mais c'est Pamela Colesmith hein, qui a fait ce jeu, c'est pas le Rider-Waite. OK? Et c'est ce que je vous aime dire. Calme-toi, Jay, calme-toi. Très bien. Mais en tout cas,
Hein? C'est que ce qui est sûr, c'est que je sais plus ce que je voulais dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que que c'est la source, hein, c'est la source qui est là, qui, on va dire, qui guide le divin masculin et la divine féminine. Donc, ça me parle de choix, ça me parle de rapprochement, ça me parle de mariage, ça me parle d'union et ça me parle de spiritualité, n'est-ce pas mignon? Ça fait déjà 5 minutes que je raconte des conneries. Donc c'est parti. On va commencer avec la maison du Bélier ici. Donc, on va parler un peu de la divine féminine pour commencer. C'est-à-dire un peu le Mars de la divine féminine, hein, le décisionnel et tout ça. Et nous avons le roi d'émotion qui vient me dire que la divine féminine est très mature émotionnellement. Ça vient me dire qu'elle a énormément de sentiments pour le divin masculin, mais qu'elle ne dit absolument rien. Et ouais, parce qu'elle en a marre de chaser, elle en a marre de courir derrière. Et que maintenant, elle est. La divine féminine, j'ai l'impression qu'elle s'est refermée maintenant. Parce qu'en fait, elle a refermé son huître, en fait. Comme elle a réussi à créer une petite perle à l'intérieur d'elle-même. Et qu'elle a de l'abondance et de la richesse, et ben elle va garder sa perle pour elle-même et elle va pas le filer au divin masculin comme ça, exactement. Donc ça vient me dire que dans l'observation, dans peut-être potentielle attente, mais c'est pas je t'attends éternellement, c'est maintenant tu vas me montrer ce que tu as dans le froc ou tu vas aller te faire foutre. C'est exactement ça. Maintenant nous allons passer dans la maison des taureaux tout de suite, qui est le moon du divin masculin, donc les émotions, les intuitions. On va pas trop s'attarder sur la divine féminine, je pense que vous pouvez aller voir le reading de la divine féminine que j'ai fait dernièrement. Pourquoi? Parce que les énergies sont encore présentes, bien entendu. Nous avons le 3 d'épines, donc the Three of Swords. Donc ça vient me dire que le divin masculin est en souffrance. Ça vient me dire que le divin masculin est en souffrance. Ça vient me dire que le divin masculin regrette. Ça vient me dire que le divin masculin, avec le hiérophante qu'il y avait derrière, a fait un choix pendant trop longtemps, qu'il n'a pas réussi à faire son choix. Entre vous et sa maman, entre vous et son papa, entre vous et son pognon, entre vous et son boulot, entre vous et sa grand-mère, entre vous et son autre petit copain, entre vous et sa autre petite copine, entre savoir s'il était gay ou pas. Bon, bref, le scénario d'habitude, hein, le scénario bateau, quoi. Celui qui a jamais pu faire ça. Hein, ça peut me parler aussi de triangulaire, ça peut, tout ça, quoi, le truc bateau, quoi, hein, qu'il n'a pas fait son choix, qu'il est nul, qu'il est machin, qu'il est ceci, qu'il est renfermé. Parce que n'oublie pas que la maison d'avant, l'énergie de la maison d'avant déborde toujours sur la maison d'après. Donc ça vient de me dire que le masculin, eh ben, il est malheureux parce que la divine féminine, elle lui fait la gueule. Hein. Donc forcément, il est malheureux, il essaye de recoller les morceaux, vous voyez, là, il essaye de recoller les morceaux tant bien que mal. Hein. Pendant que le masculin, lui, il attend la wave, hein, pour surfer un petit peu comme Brice de Nice. Vous allez me dire, Brice de Nice, il n'est pas black, il est blond. Mais peu importe, on s'en cogne. Donc ça vient me dire que. Voilà, elle est en train de recoller les morceaux, elle est en train de. J'en sais rien. Voilà, ça peut être votre divin masculin. Il peut très bien ressembler à ça, votre divin masculin. Ça peut être aussi un trans, ça peut être aussi un ladyboy, ça peut être tout ce que vous voulez. Ça se trouve, votre divin masculin ressemble à ça, il a un braquemar extraordinaire. Bref. Mais tout ça pour vous dire, mes amis, que. Le divin masculin, bon, comme d'habitude, hein, il est triste, il s'est saboté, il a fait les mauvais choix, il est malheureux, il dit rien à personne, patati patata, vous connaissez l'histoire, il ne vous a toujours pas contacté, machin, machin, machin. Et pendant ce temps-là, les chaînes de tarot s'engraissent et ça fait toujours plus de viewers qui vont regarder en disant « Quand est-ce qu'il revient mon divin masculin ?» Exactement, mes amis. Donc, pour l'instant, c'est le reading bateau, le reading, j'allais dire, un peu merdique, un peu pourri, un peu celui qu'on vous sert sur toutes les chaînes. Pour vous faire pleurer, mesdames, c'est-à-dire vous, les divines féminines, qui attendez désespérément que votre masculin revienne pour vous faire l'amour comme une bête, alors qu'il est toujours tapi dans l'ombre à l'autre bout du monde et qu'il n'a pas changé. C'est exactement ça. Là, vous allez me dire, mais Jay, pourquoi tu nous fais toujours ces readings qui sont toujours pareils? Pourquoi c'est toujours pareil sur les autres chaînes? Et pourquoi on est tellement accro à venir ici à attendre le divin masculin qui change? Parce qu'on a travaillé sur nous, on s'est déconditionné, on est devenu spirituel. Maintenant, on médite, maintenant, on mange bio, maintenant, on fait ce qu'on aime faire dans notre vie. Maintenant, on a dit à notre patron, goodbye, president. Maintenant, on est comme ci, on est comme ça, on change le monde, on a créé, on est heureux. Alors, pourquoi le masculin ne revient toujours-t-il pas? C'est ce que nous allons tenter de découvrir dans ce putain de reading, parce que moi aussi, je commence à en avoir marre de ce masculin de. Ok? Bref, c'est son reading, alors on va rester poli, bien entendu. Donc, j'espère que les enfants sont couchés, hein, parce que ici on est sur Five Star Tarot, d'accord? Bon. Nous allons passer maintenant dans la maison de nos amis les Gémeaux. Les Gémeaux, c'est le signe le préféré du zodiaque, que tout le monde adore. Non, en fait, je déconne. En fait, personne n'aime les Gémeaux, mais. Alors, c'est vrai que personne n'aime les Gémeaux, par contre, eux, les Gémeaux, c'est là où je trouve que des fois ils sont vraiment. Personne n'aime les Gémeaux, mais les Gémeaux, ils aiment tout le monde. Vous avez remarqué ça? Personne n'aime les Gémeaux. Personne, absolument personne. Mais eux, ils aiment tout le monde. C'est pour vous dire comment ils sont balèzes quand même. Hein. Soit ils en ont rien à foutre,
Ou soit ils sont complètement cons, mais vu qu'ils sont super intelligents, donc ça veut dire qu'ils en ont rien à foutre en fait. C'est pour ça que j'adore les Gémeaux, parce que franchement, celui qui n'a pas un pote Gémeau dans sa vie, il est condamné à avoir une vie de merde, ça j'ai toujours dit. Placide et monotone. Bref, tout ça pour vous dire, mes amis, je dis pas ça pour récupérer mes abonnés Gémeaux, mais c'est vrai, hein, faut le dire, c'est la vérité, il faut le dire la vérité. Donc, Reine d'épines, en plus c'est la carte des Gems, hein. Ça veut me dire que votre divin masculin s'est enrôlé dans Q en fait et que c'est devenu un complotiste. Non, pas du tout. Ça veut me dire que, en fait, ça vient me dire qu'il est en train de vous stalker, ça vient me dire qu'il est en train de vous espionner, ça vient me dire qu'il ne vous dit pas d'ailleurs merci pour toutes vos donations. Hein. Merci de, c'est grâce à vous si je suis, je vous aime. Bref, tout ça pour vous dire que la reine d'épines en fait, vous voyez, le masculin il est tapi dans l'ombre en fait. Hein. Et bah, il souffre en fait, mais il ne vous dit rien. Vous voyez, il souffre, et il ne vous dit rien. On dit qu'une image vaut 1000 mots, et vous êtes là, hein, et vous lui tournez le dos. Exactement. C'est-à-dire que maintenant, j'ai l'impression que vous êtes un peu renfermé par rapport à lui. Et lui, le masculin, ben, j'ai l'impression qu'il est. En fait, le masculin, c'est simple. Il fait confiance à personne. Il est là, il dit rien à personne. Il a une vie de merde. Il est tout seul. Il est en train de dépérir, en train de crever. Mais il ne fait absolument rien. Il ne dit rien. Il ne parle pas. Et je sais ce que vous allez dire. Ouais, mais Jay, au lieu de rassembler la divine féminine et le divin masculin, faire en sorte que le monde ne soit plus sous l'emprise du diable, diablo, dualité, division, de faire en sorte de ne plus mettre les gens dans des cases comme ces espèces de. Ok? Moi, j'habite à Paris, je voudrais que tout le monde soit classifié HPE, HPZ. HP, mon cul, d'accord? Le diable, c'est celui qui divise, d'accord? Ok. Donc, tout ça pour vous dire que. HP mes couilles, d'accord, hein, super sensible, machin, machin, arrêtez avec ces conneries, hein, d'accord? Bon, bref. Donc, je sais ce que vous allez me dire. Ouais, les tarot readers, machin, machin. Vous êtes en train de parler du divin masculin, de la divine féminine, les flammes jumelles n'existent pas et tout, machin. Vous devriez rassembler, rassembler, rassembler. En même temps, c'est sûr que là, pour l'instant, je rassemble pas trop, hein. Je suis plutôt en train de diviser les divines féminines formidables et puissantes et éveillées que vous êtes, avec un espèce de crétin qui a perdu tout son temps avant de prendre son téléphone. Mais franchement, vous savez quoi? Il me casse tellement les burnes celui-là que il est là, il est caché, hein, il est là, il a sa vérité, il veut rester dans sa vérité, il dit rien, 12-12 au moment où on dit ça. Ça veut me dire qu'il dit absolument rien à personne et que bah, qu'il est là et qu'il dit absolument rien à personne. Voilà, il doit se croire HPO, HPI, HPZ, HP mon cul, à dire mais moi je suis un zèbre, je suis, on peut pas m'adopter, je suis peut-être apprivoisable mais pas domptable, je suis peut-être ceci, je suis peut-être cela. Enfin, je sais pas ce qu'il est, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il casse les couilles, ça c'est sûr. Maintenant, on va aller voir du côté du soleil, parce que ça, c'est le soleil du divin masculin, hein, c'est la maison des James, d'accord? Maintenant, nous allons voir le soleil de la divine féminine, c'est-à-dire vous. Dans la maison des cancers, nous avons le 5 d'action, bien entendu, qui va très bien avec le roi d'émotion ici, qui vient me dire que, bien entendu, regardez, ce sont vos énergies, vous lui faites la gueule, exactement. Donc ça veut me dire que vous êtes prêt pour la bataille, vous êtes prêt à ce qu'il vient de vous parler, vous êtes surtout prêt à lui dire d'aller se faire foutre. Et c'est pour ça qu'il vient pas. C'est parce que maintenant vous êtes devenues des impitoyables féminines. C'est exactement ça. Vous êtes devenues super puissantes, super geek, super tout ce que vous voulez, super sexy. Et maintenant, bah, du coup, le masculin, bah, il sait plus trop quoi faire. Donc ça veut dire qu'il se tapit dans l'ombre en fait comme un vieux yinche. Mais c'était très stress au moment où je disais ça. Je déconne, je plaisante, mes amis, mais sachez que je suis extrêmement sérieux. Sauf que je commence à en avoir plein les. J'en ai marre. Du divin masculin qui est là, il revient pas, il choisit sa maman, il choisit son papa, il choisit son boulot, il arrive à rien, il arrive pas à acheter une maison, il arrive pas à créer un business, il arrive pas à se marier, il arrive pas à faire d'enfants, il arrive pas à se décider, il arrive à faire que dalle. Non, la seule chose qu'il sait faire, c'est pleurer, rechigner, machin. Vous, les divines féminines, ça vous casse les couilles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous fais un reading masculin honnête ou je vous fais pas un reading masculin honnête? Ça veut pas dire qu'il est moins bien que vous, ça veut dire que c'est l'énergie masculine et que l'énergie masculine, en ce moment, eh ben, elle est pas courageuse. Donc je suis obligé de faire ça. Alors je suis désolé, oui, je sais, il faut rassembler, voilà, le masculin qui enfin se rend compte que sa féminine, machin. Ben alors dans ce cas, tu prends ton putain de téléphone, tu passes un coup de fil, t'envoies un mail, tu restes pas là, l'autre bout du monde à dire, je suis en train de m'éveiller, je suis en train de ceci, je suis cela, je suis HPI, HPE, mes couilles. D'accord? Non. Là, ce que je peux vous dire, c'est que. Eh ben, je vois que y a un peu, c'est un peu. Voilà, bref, c'est pas terrible, terrible. Hein. Donc voilà. Ensuite, nous avons la carte du monde, bien entendu, chez la divine féminine, le Vénus de la divine féminine, donc la maison des lions. Donc, c'est-à-dire que, eh ben, la féminine, elle se barre, elle se casse, elle passe à autre chose, elle ne veut plus revenir en arrière. Elle s'est éveillée, elle est passée à autre chose. La carte du monde, la carte la plus puissante du jeu. Regardez, franchement, est-ce que vous pensez qu'elle va passer son temps à attendre, elle? Elle n'attend personne, d'accord? Elle a mis de l'huile de coco et je peux vous dire que elle n'attend personne, ok? Elle s'est mis sa petite rejoint. Vous imaginez, vous pensez qu'elle a le temps d'attendre? Elle n'a pas le temps d'attendre, c'est exactement ça. Hein?
Moi je m'appelle Lolita. Exactement. Donc ça veut dire que vous, les féminines, vous êtes devenues. Ben, ça vient me dire que maintenant vous êtes des. Ça vient me dire que le masculin, il n'est pas là, et ben, vous n'attendez pas. On va pas trop s'attarder sur vous, les féminines. Hein. On va peut-être passer un peu à autre chose. On va aller du côté de la maison des vierges, qui est l'ascendant du divin masculin, bien entendu. Ah, le masculin qui fait du sport. Il a enfin décidé d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire, d'arrêter de prendre des drogues et d'arrêter d'être un gros con et d'aller faire du sport. Pourquoi? Bah parce qu'il veut vous récupérer, parce qu'il essaye de passer le temps. Donc, à mon avis, il doit mettre du rap hardcore ou un truc dans ses oreilles pendant qu'il court. Il doit écouter Booba là. Enfin, il doit faire un truc parce que j'ai l'impression qu'il a envie de venir. J'ai l'impression qu'il est en train de vous observer. En fait, il est en train de vous observer, il est en train de recoller les morceaux. Et il sait que si jamais il doit débarquer devant vous, il doit débarquer devant vous, genre fresh as fuck. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que bah, il doit être bien quoi. Hein? Il va arriver en mode, voilà, je veux faire en sorte. Et quelque chose pourrait me dire qu'il vous regarde, il regarde vos fréquentations, il regarde où est-ce que vous en êtes et tout ça. Et il essaye de prendre soin de lui. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui me dit qu'il prend soin de lui. Mais et en fait, vous savez quoi? Il essaie de retrouver confiance en lui. C'est exactement ça. Et là, pour l'instant, les énergies sont en train de changer et je commence un peu à avoir, pas pitié, mais quelque part, je me dis que vous l'influencez, les divines féminines. Et que c'est grâce à vous, et encore une fois grâce à vous, qu'il a décidé de se remettre au sport. Bah ouais. Donc ne lâchez pas les divines féminines. Hein. Vous savez, c'est très facile de s'emporter, mais vous ne lâchez pas. Et je sais ce que vous allez me dire. Oui, bah c'est bien. Voilà, il faut réconcilier les deux énergies. Il faut arrêter de dire que le masculin il est méchant, qu'il est ceci, qu'il est cela, et que la féminine c'est la meilleure et tout ça, parce que ça booste les égos des féminines. Hein? Après ça, vous allez mouiller vos petites machins, que vous soyez homophobe, vous allez dire oui, je suis la meilleure, je suis machin, je suis HPE, HPZ, mes couilles. Alors, et c'est le masculin qui va. Vous allez devenir le masculin vous-même. Donc, c'est vrai que je devrais pas faire ça, que c'est pas bien, que c'est immature. Mais en même temps, franchement, c'est toujours la même merde, quoi. Hein. Bon, vous la connaissez, l'histoire bateau. Hein. Bon, d'accord. Je veux dire, ça fait combien de temps que vous attendez? Ben, depuis que j'ai ouvert Five Star, et apparemment bien avant ça. Bref. Nous allons passer dans la maison des balances, qui est la maison des. qui est la maison de l'ascendant. Donc, ce que vous. Comment les autres vous perçoivent et tout ça, et vous êtes dans le 5 d'émotion. Donc ça peut vouloir me dire que, peut-être, ça vient me dire que les autres vous voient toujours en fait dans le regret, dans le passé. C'est-à-dire que vous, votre cœur, il est en train de passer à autre chose, mais comment les autres vous voient, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à avancer, quelqu'un qui a peut-être subi le. Mais c'est vrai, les féminines, vous voulez que je vous dise, c'est vrai. Parce que je remarque que beaucoup d'entre vous, vous êtes encore beaucoup trop accro à ce truc de masculin-là. Alors surtout, ne partez pas, parce que moi, du coup, ça me fait moins de vues, donc moins de vues, moins de pognon, si vous voyez ce que je veux dire? Mais on est entre nous ici et c'est vrai que j'aime le pognon, hein. C'est l'argent, c'est de l'énergie, c'est pour ça qu'on appelle ça money currency, hein. Mais je vous aime encore plus. Donc, et c'est vrai en ce moment, j'ai vraiment l'impression quand je vois des divines féminines que vous êtes là-dedans. Alors, c'est peut-être pas forcément par rapport au masculin, c'est peut-être par rapport à la vie. Peut-être que je pense que vous vous posez des questions, à savoir pourquoi ça ne s'est pas fait, pourquoi ça s'est pas fait, pourquoi on n'a pas eu de beaux enfants, pourquoi toute cette spiritualité, pourquoi ça ne rime à rien, pourquoi je n'avance pas, pourquoi je suis si parfaite. Et pourquoi mon rôle en fait? C'est parce que l'ère du poisson c'est fini, la maison, les deux machines à laver, voilà, fumer enceinte pour être en bonne santé, avoir le gros Range Rover et le ghetto pasteur, être le grand sauveur, easy, vous voyez, c'est fini tout ça, vous voyez ce que je veux dire? C'est que maintenant on rentre dans une nouvelle ère, donc ça peut vouloir me dire aussi, au vu des énergies qui sont ici, ça peut vouloir me dire que vous êtes déterminé à changer les choses, les féminines. Donc ça peut vouloir me dire que peut-être que vous allez vous battre, que vous allez créer une entreprise, que vous allez vous mettre à faire des livres, à écrire des livres, à jouer dans des films, à ouvrir votre chaîne YouTube. Donc oui, faire des petits films, faire votre propre show, partager votre sagesse, faire des petits trucs en collectivité, aller méditer, des trucs comme ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, le reading banal, flamme jumelle, quoi. Bref. Donc ça, c'était la façon dont. Donc ça, c'est vous, les féminines. Hein. On vous voit comme ça, mais je pense pas que vous êtes comme ça. Mais on vous voit encore dans les regrets. Pourquoi? Bah parce que peut-être que c'est ce que vous laissez transparaître à l'intérieur. J'ai l'impression que vous êtes un peu blasé de la vie, que vous avez vécu tellement de choses que vous vous dites c'est bon, j'en ai marre. Mais c'est bien parce que vous ne projetez plus dans le futur maintenant. Hein, si vous vous remettez en couple avec une âme sœur, vous avez pu vous dire voilà, il faut que j'ai ceci, il faut que j'ai cela. Hein, comme disait Monsieur Khalil Gibran, plus c'est simple, plus c'est beau. Et maintenant, vous êtes dans la simplicité. C'est exactement ça, la divine féminine. Nous allons passer maintenant à la maison des scorpions, qui est le chakra racine du divin masculin, qui vient me dire que, je peux vous dire une chose, c'est que dans son entrejambe, il ne pense qu'à une chose, se réunir avec vous, vous faire l'amour et être heureux comme il était heureux avant.
Et je pense que toutes les énergies du monde le poussent à venir vers vous et à déclarer son amour et à se laisser aller à l'amour et au désir et à l'envie qu'il a pour vous. En gros, il a envie de vous ken, il a envie de vous déboîter, il a envie de vous... Bref, et il a envie de vous faire l'amour langoureusement, il a envie de vous péter le coccyx. Bref, vous voyez ce que je veux dire ? Il veut vous péter la rondelle en fait, pour rester poli, mais c'est exactement ce que le divin masculin veut, mais c'est au niveau énergétique, c'est au niveau chakra, c'est-à-dire qu'il a vraiment envie de le faire, c'est-à-dire qu'il y pense matin, midi et soir. Et c'est pour ça qu'il fait du sport. C'est pour ça qu'il fait du sport. Vous savez, je suis en train de déconner là. Hein. Je suis en train de déconner. Hein. J'espère que les enfants sont couchés. Mais néanmoins, sachez, mes amis, que je ne suis pas bouffon tarot et que tout ce que je suis en train de vous dire, c'est vraiment les énergies. Vous avez dit, ouais, je sais, je regarde déjà de trading avant toi parce que tu étais en retard. Donc, c'est certainement que vous devez savoir que je suis très sérieux, d'accord ? Donc, ça vient me dire qu'il n'a qu'une seule envie, c'est de venir vous voir hein, et de recommencer comme avant. Exactement. Et ça, c'est au niveau de son sgeg, c'est au niveau de son de ce qu'il désire le plus profond à l'intérieur de lui. Hein, mais il ne le fait pas. Hein. Vous savez, la maison du scorpion, les scorpions, ils ont du mal à trouver un équilibre. Hein, c'est vraiment... c'est très puissant, un scorpion. Hein, c'est très profond aussi. Ils ont du mal à trouver un équilibre. Ils sont très robustes. Les divins masculins sont très robustes. Hein, quand ils sont dans leur connerie, quand ils sont dans leur... dans le fait de se saboter, de ne pas voir les choses en vrai, ils peuvent rester comme ça ben, toute leur vie, en fait. Et là, vous allez me dire, ouais, alors, ce que je vois, les féminines, c'est que vous avez travaillé sur vous et que l'univers vous a récompensé et que lui, il veut toujours pas travailler sur lui, si ça peut rassurer une grande majorité d'entre vous. Maintenant, nous allons voir dans la maison des Sagittarius. Des Sagittaires, c'est-à-dire la maison de la passion, du voyage et tout ça. Et nous avons le roi d'action. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, les féminines? Ça vient me dire qu'en ce moment, vous n'avez pas envie d'aller à Pattaya et de vous défoncer à Walking Street, au Samsung et à la marijuana liquide et à aller dans un bar pour écouter du... Non, bref, tout ce que vous voulez, c'est fonder une entreprise, créer un projet, créer quelque chose, travailler sur quelque chose. C'est pas forcément... C'est vraiment pour trouver une reconnaissance intérieure et pour trouver votre place dans le monde et une certaine reconnaissance parce que vous voudriez vraiment... vous connaissez votre valeur et vous savez que vous avez une valeur ajoutée à apporter au monde et que... Mais c'est exactement ça. Et là, juste que je vais me dire, ouais, t'es encore en train de graisser les fesses des divines féminines, mais c'est ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. C'est une certaine détermination. Et ça peut être aussi une détermination despotique, mes amis féminines. Hein. Mmh. Soyez pas blasés comme ça. Hein. Pourquoi vous êtes blasés comme ça? Ayez confiance en vous, les divines féminines. Hein. D'accord? Si vous voulez faire une œuvre d'art et tout ça, ben, il va falloir y aller, il va falloir écouter de la musique, il va falloir méditer, il va falloir vous détendre, il va falloir vous foutre de la peinture avec des pinceaux, il va falloir y aller, il va falloir prendre votre gouache, il va falloir peindre, et ensuite il va falloir exposer, il va falloir vendre, il va falloir. Mais si vous êtes là, vous dire, eh, je suis le plus nul du monde, votre coup de pinceau, il va rien donner, vous voyez ce que je veux dire? Petit conseil comme ça, vous allez me dire, c'est facile pour toi d'ouvrir ta grande gueule, d'accord? Commence déjà par faire du tarot, très bien, mes divines féminines, que vous soyez homme ou femme, bien entendu. Maintenant, nous avons la princesse d'action ici, dans la maison des Capricornes. Donc là, c'est vraiment le Saturne, donc c'est vraiment le chakra racine un peu de cette histoire. Pas seulement du divin masculin, mais de cette histoire qui vient me dire que j'ai l'impression que vous n'avez qu'une seule envie, c'est... En fait, la divine féminine, enfin, le divin masculin, ce qu'il veut vraiment, en fait, lui, c'est vraiment... j'allais dire, c'est vraiment ça, regardez, hein. C'est ça. Hein, pour ceux qui sont en train de conduire et qui ne regardent pas, ben vous ne saurez pas. Exactement. C'est ça. C'est ça qui veut le divin masculin. Donc, tout simplement, c'est partir en Thaïlande, c'est faire la fête, c'est aller à une full moon party, c'est prendre des buckets sur la plage et de se défoncer la tête et d'aller faire l'amour dans une pahute en transpirant comme un chien errant, mais avec vous, si vous voyez ce que je veux dire. Il a envie d'aller sur une plage aux Seychelles et bouffer des champignons hallucinogènes et de s'envoyer en l'air, mais avec vous. Il a envie de partir sur la terre, il a envie d'aller au Mexique là-bas et de se défoncer à la tequila et d'aller dans des bars et de prendre des gros rails de coco et de faire l'amour avec vous. Non, j'exagère. Voilà, j'étouffe parce que j'ai dit une connerie. I'm in love with the coco. Exactement. Non, je déconne, je ne me défonce absolument à rien et je ne touche pas à cette merde, bien entendu. Donc... la princesse d'action, ça vient vraiment me dire que ce qu'il veut, en fait, tout simplement, je vais vous dire ce qu'il veut. Vous savez ce qu'il veut, le divin masculin? Il veut s'envoyer en l'air. Mais pas avec n'importe qui, avec vous. Et là, vous allez me dire, ouais, non, mais c'est vrai, c'est vraiment vrai, mes divines féminines. Mais pourquoi il ne me contacte pas? Pourquoi il machin? Parce qu'il est triste, parce qu'il recolle les morceaux, parce qu'il n'a pas confiance en lui, parce qu'il a attendu pendant bien trop longtemps et que maintenant c'est trop tard. C'est trop tard. Exactement.
Et le fait que ce soit trop tard, vous savez quoi? À mon avis, c'est là-dessus qu'on va développer un peu tout à l'heure. Parce que maintenant que c'est trop tard, qu'est-ce qui va se passer, machin? Mais qu'est-ce qui va vraiment se passer? Eh ben, on verra. Peut-être que vos chemins vont se séparer. Peut-être qu'il va se passer un truc. Peut-être que j'en sais rien. De toute façon, je suis pas en train de parler de deux personnes. Je suis en train de parler d'une énergie. C'est une énergie qui se répète inlassablement. Et j'espère qu'il va changer ou qu'il va commencer à améliorer. Enfin, qu'il va commencer à changer, quoi. Parce que sinon, et vous savez quoi? Si ça continue comme ça, je vais faire des liens d'âme sans rien dire et puis vous vous situerez dans l'une ou l'autre des énergies. Mais raconter cette histoire qui se répète de mois en mois et semaine en semaine avec de l'espoir et des déceptions, je commence à en avoir plein le derche, mes amis. D'accord? Donc je pense que je vais faire par exemple des liens d'âme, vous savez, où d'un côté il y a une énergie, dans l'autre il y a une autre énergie, ou alors on tire à pile ou face au début, puis vous vous décidez dans laquelle vous voulez être. Comme ça, on blâme plus personne et on arrête de blâmer le divin masculin. Mais ça reste le divin masculin. Bref. Nous avons le 4 d'épine ici dans la maison des Verseaux qui est l'Uranus, donc de ce cycle cosmique qui vient me dire que vous n'arrivez pas à écouter votre enfant intérieur. Il y a quelque chose, une réponse. Il y a quelque chose que vous savez mais que vous ne voulez pas entendre, mes divines féminines. Et je pense que c'est la gratitude, je pense que c'est le pardon, je pense que c'est. Il y a quelque chose, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose que. J'ai l'impression que vous êtes dans une réflexion profonde en ce moment. À savoir, est-ce que vous allez quitter, est-ce que vous allez partir, est-ce que vous allez changer? Est-ce que vous allez pouvoir vivre sans lui? Est-ce que vous allez pouvoir le pardonner quand il va revenir? De quoi vous allez parler? Est-ce qu'il y aura une séparation? Est-ce qu'il y aura une union? Est-ce qu'il y aura. Vous voyez, toutes ces questions qui restent un peu en suspens, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc, ça, c'était pour la maison des Verseaux. Hein. Comme par hasard, le signe non conventionnel, machin rebelle. Il faut toujours que je sors une carte avec une gonzesse ou un mec qui a une coiffure à la taïwanaise, un peu à la psychopathe. Hein. Bref. Et pour terminer, nous allons terminer avec le Vénus, donc la maison des poissons, donc le Vénus du divin masculin. Nous avons le 6 d'épines. C'est exactement ça. Le masculin doit changer sa pitoyable et misérable vie, son existence, j'allais dire. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que le masculin, alors je sais, bon, il a certainement beaucoup souffert pendant son enfance, il a peut-être machin, connu des grands traumatismes et tout, mais bon, en même temps, je pense qu'il a. Il en a pris plein la gueule, karma sur karma sur karma. Et vous savez, le 6 d'épines, hein, qui est le 6 of swords, all right, c'est un droit de passage. C'est-à-dire que le masculin, s'il veut revenir vers vous, vous parler ou avoir une closure dans la vie qui a l'air d'être, à mon avis, il est en enfer là. Et ben, c'est un droit de passage pour le bonheur. Et pour pouvoir passer ce droit de passage, et ben, il va falloir qu'il vienne discuter avec lui, le divin masculin, c'est-à-dire vous, la divine féminine, d'accord? Encore une fois, je vous montre un homme ici parce que c'est une question d'énergie. Hein? Parce que c'est pas en restant comme ça, hein, en restant caché, en étant derrière la machin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas en restant comme ça que les choses vont pouvoir s'arranger. Hein, c'est-à-dire le fait d'être caché, le fait de recoller les morceaux toute sa vie. Hein. Hein, mais et c'est normal qu'il a peur. Regardez, elle arrive, mais elle est prête à lui mettre coup de boule dans la tête en hein, direct. Donc ça veut me dire que le masculin, encore une fois, il y a un droit de passage à passer et tout. J'ai l'impression que les énergies sont un peu tendues, si vous voyez ce que je veux dire. Bon. On va aller clarifier un petit peu tout ça. Mes amis, bienvenue sur Five Star. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Parce que, bien entendu, je déconne. Ici, on fait du tarot. Ici, on va comprendre les énergies. Ici, on va dans les profondeurs de l'océan. Si vous voulez savoir à quel point l'océan est profond, si vous voulez vous en faire une idée romantique, quand vous marchez sur la plage, regardez le ciel, mes amis. Exactement. Si vous voulez savoir comment est profond l'océan, regardez le ciel. Exactement. Ce qui n'inclut pas, bien entendu, la tropopause et tout ça, hein, je veux dire. Ouais. Tous les éléments sont à part égale dans l'univers. Hein, la terre, la mer, le ciel, le feu, c'est exactement ça, la lave, le magma. Et quand on descend dessous, qu'est-ce qu'on a? Non, pas un truc en fusion. Non, on a Agartha, Telos, on a l'éther, on a notre civilisation, tous nos artefacts, bien entendu, qui nous seront rendus une fois que nous aurons découvert, bien entendu, que nous aurons compris la futilité de la guerre et qu'on se sera débarrassé de tous ces. De toutes ces marionnettes là qui. Bref. Donc ne rentrons pas dans le complotisme, hein, bien entendu. Et on va aller regarder. Mais oui, la Terre est creuse. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'elle est plate? Que vous croyez quoi? Pourquoi vous ne pouvez pas aller en Antarctique et dans le pôle sud? Vous croyez qu'il y a des pingouins là? Mais oui, on s'arrête ici, on s'arrête ici. Exactement. On s'arrête ici. Hein, c'est pas le moment de passer pour un fou. Hein. Allez, Sun, Moon, Rise, Venus, nous allons donc clarifier maintenant le roi d'émotion ici, s'il vous plaît, ma amazing friend, pour en savoir un peu plus. Pourquoi est-ce qu'on a le roi d'émotion ici, hein, ma divine féminine? Donc potentiellement, le masculin, il va peut-être trouver le courage de venir vers vous, hein, c'est exactement ça. Mais bon, potentiellement, parce que depuis le temps que je dis ça, il a fait que dalle.
Ok, allez, le roi d'émotion, le roi d'émotion. Ici, nous avons le 9, donc ça vous saoule, hein, ça vous saoule cette énergie. Vous aimeriez peut-être déposer ce fardeau, vous aimeriez peut-être dire les choses, vous aimeriez ne plus vous imposer de limites. Vous avez la connaissance, vous êtes la high priestess. Maintenant, l'énergie qui vous porte, c'est le 10 of Pentacles, avec le roi d'action ici qui vient me dire que vous, vous passez à autre chose. Vous voulez vous réaliser, vous voulez être connu, vous voulez être votre propre star, vous avez envie de vous réaliser. Vous n'êtes plus, ce n'est plus le divin masculin qui va combler votre attente, mais c'est une réussite, j'allais dire, sociale. C'est quoi la société? C'est les rapports que nous entretenons entre nous. Donc vous voulez améliorer vos rapports avec la société. Vous avez envie de créer quelque chose, peut-être une entreprise, peut-être, je ne sais pas, peut-être une chaîne YouTube, peut-être, j'en sais rien, moi, une galerie d'art, une œuvre d'art. Vous voulez écrire, vous voulez devenir, je ne sais pas, faire du théâtre. Vous avez envie de créer quelque chose, mais féminine. Pourquoi est-ce que le 3 d'épines, il est ici? Nous avons le Mother of Pentacles, bien entendu, parce que bien entendu, il a envie de venir se blottir dans vos bras, il a envie de machin, tout ça, ça lui manque. Il doit faire ce choix, mais ce choix qui va lui être imposé, parce que les lovers, c'est une arcane majeure, bien entendu. Et nous avons Gémeaux, Cancer ici. Encore une fois, Soleil et Soleil, hein, ça veut pas dire que c'est pour les Gémeaux et les Cancers. Mais c'est la carte du chariot qui vient me dire que, encore une fois, ça veut me dire que le masculin, il veut obtenir la victoire. Ça veut me dire qu'il sera sans pitié, ça veut me dire que lui aussi, il a envie d'être heureux, ça veut me dire que lui aussi, il a envie de lâcher prise. Ça vient de dire que lui aussi, il veut voler, il veut être libre. Il a envie d'amour. Il a envie d'amour. Le chemin. Parce que ma divine féminine s'est barrée. Elle me donne l'envie d'aimer. Exactement, vous allez me dire, Jay, chante pas, chante pas. Il y en a une qui m'a dit ça une fois. Elle m'a dit, Jay, par pitié, chante pas, chante pas. Allez, reine d'épines. Donc ça veut me dire que nous avons... Ouais, ça veut dire qu'il veut la même chose que vous. Ben ouais, gangster shit. Donc ça veut me dire qu'il ne vient pas vers vous parce qu'encore une fois, il est malheureux. Il aimerait terminer sa souffrance et tout ça. Donc, mais qu'il vienne vous parler. Donc ça peut vouloir me dire encore une fois qu'il va y avoir des communications. Mais j'en ai marre de répéter ça. J'ai tellement répété ça que j'ai l'impression de vous mentir maintenant. Mais je vous le dis quand même. Mais en tout cas, pour la grande majorité d'entre vous, quelque chose me dit qu'il a besoin de parler parce qu'il a vraiment, mais vraiment, mais vraiment une vie de merde. Mais vous savez, à ce stade, c'est même plus pour recommencer une histoire d'amour avec vous, hein. Maintenant, je pense que c'est juste pour qu'on se dise goodbye, hein, comme des adultes, et que chacun fasse sa vie sans regret, sans rancœur, sans machin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, le masculin revient, on discute un peu, on dit « Ah d'accord, je te comprends, ok, je me mets un peu à ta place. Hein, » C'est ce qu'on appelle... c'est l'empathie, hein. Et puis là, bah, du coup, bah, c'est le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. On se pardonne et ensuite chacun va faire un tour de son côté. C'est tout à fait possible, hein. Vous en êtes arrivé à ce stade, mes divines féminines. Pour ce qui est le 5 d'action, ça veut me dire que vous, ben, le fait qu'il n'y ait pas cette... Vous, j'ai l'impression que les divines féminines, je ne sais pas pourquoi, mais le fort loin. Donc ça vient me dire que... J'ai l'impression qu'il y a comme... Wouhou! Ça vient me dire que... Hi-hou! Ça vient me dire que... Ça vient me dire que... Ça vient me dire que... C'est marrant. Hein. J'ai l'impression que vous avez tout pour être heureux, que vous avez tout pour vous réaliser. J'ai l'impression que vous avez une certaine énergie, une certaine puissance, mais que vous vous contenez encore et que vous doutez de vous, les féminines. Ou alors, j'ai l'impression que vous êtes très triste à l'intérieur de vous, mais très profond à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'on a le 5 d'émotion ici. Peut-être que vous voulez cacher une certaine tristesse, une certaine mélancolie. Le monde, c'est tout à fait possible. Le monde, le monde, le monde, le monde, le monde, le monde, le monde. Allez, on va clarifier le monde. Donc nous avons ici la mort, hein, d'accord, qui vient me dire que c'est le monde, la mort, hein, donc la fin. Donc ça vient me dire que je pense que vous en avez marre de vous prendre la tête et que maintenant ce que vous voulez c'est une nouvelle histoire d'amour. Donc vous êtes en train de vous libérer de vos chaînes, vous êtes en train de libérer des chaînes du passé. C'est exactement ça. Et votre cœur est vraiment en train de se libérer par rapport au passé. Là, il y a vraiment un lavage qui est fait ici. Hein. Si je peux me parler comme ça. Hein. Vous voyez comme un lavage, quoi. Je veux dire, c'est un lavage, quoi. Voilà. Comme si vous étiez en train de vous laver. Hein. Voilà. Ou comme si vous étiez en train de vous purifier. Ou un truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, j'ai vu quelqu'un qui se lavait, mais avec une poire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, bref. Je vais m'arrêter là. Donc, le 8 d'action. Le 8 d'action, on va aller clarifier le 8 d'action, bien entendu. On a, ça peut vouloir me dire que vous êtes constipé, les féminines, et que... bref, je sais pas. Ça peut vouloir me dire que... non, j'allais dire une connerie. Vous allez pas vous faire des... Non, bref.
Je m'arrête là. Ok, donc le 8 d'action, ça vient me dire que. Donc on a le Hangman pour le 8 d'action et on a le 7 of Swords. Donc encore une fois, avec The Words, donc ça vient me dire qu'il n'arrive pas à lâcher prise, qu'il voudrait lâcher prise, qu'il ne lâche pas prise. Et vous allez me dire, ouais, mais je répète les mêmes messages, mais c'est les mêmes messages. Ça vient de me dire qu'il se cache de vous. Ça vient de me dire que. Ça vient de me dire qu'il n'arrive pas à lâcher prise. Il n'arrive pas. Encore une fois, il n'a pas appris sa leçon. C'est quoi sa leçon? C'est la vulnérabilité. Le 5 d'émotion. J'ai l'impression que tout le monde est. J'ai l'impression que c'est un moment un peu difficile. Hein. Le 5 d'émotion, on a. Donc, encore une fois, vous. Alors, encore une fois, 5 d'émotion, 5 d'émotion. Donc, vous. Ah, exactement ça. Vous aimeriez changer, vous aimeriez passer à autre chose, mais le lien dans l'ombre, en fait, le secret, la noirceur. En fait, c'est un lien d'âme. Hein. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à oublier? Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à passer à autre chose? Pourquoi est-ce que vous arrivez. Ben, parce que c'est un lien d'âme, tout simplement. Mais pourquoi vous n'arrivez pas? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi j'arrive pas? Pourtant, machin, machin, machin. Ben parce que c'est un lien d'âme, tout simplement. Voilà pourquoi vous y arrivez pas. Donc les énergies sont bouclées. Vous aimeriez passer à autre chose. Maintenant, le divin masculin vous gonfle plutôt qu'autre chose, mais lui ne fait toujours rien, en fait. Le 4 d'action ici. Le 4 d'action ici. Le masculin, lui, peut-être qu'il aimerait enfin s'amuser, il aimerait être heureux, il aimerait faire autre chose et tout, mais la source ne le laissera pas partir. Non, 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 le choix, il va lui être imposé ici avec les lovers. On a le 8 de pentacle, nous avons le chariot, enfin c'est le 8 de pentacle, c'est l'énergie qui porte ça, nous avons le chariot et le 2 of swords. Donc ça veut me dire que le masculin veut s'en sortir, le masculin veut être heureux, le masculin veut manifester le bonheur, le masculin veut avancer, le masculin veut se dire, mais il ne sait pas faire les bons choix. Tant qu'il ne fera pas les bons choix, eh bien, rien ne s'arrangera pour lui. Vous savez quoi? Il commence vraiment, mais vraiment à me gonfler, ces résines. Parce que j'en ai marre de répéter la même chose. Mais marre. Donc je pense que je vais me concentrer sur les signes astrologiques. Et quand je verrai que ça change dans les signes astrologiques, je reviendrai pour les divins masculins. Sauf si vous m'avez dit, non, Jay, on adore, j'en supplie et tout. Mais si vous commencez à me dire en même temps que moi, putain, ça nous gonfle les twin flames, arrête avec ça. Change. Fais des liens d'âme à droite, à gauche, et chacun choisira où il veut se situer. Parce que là, franchement. Ça me gave. Bon, roi d'action. Parce qu'il me gave. Mais je dirais qu'il est traumatisé, le pauvre, là. Je veux dire, vous êtes là, machin, machin. Mais lui, voilà, on a compris que son papa l'a battu, que sa maman l'a violé, que machin, que ceci. Excusez-moi, hein, mais je veux dire, là, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. D'accord? Tout le monde a un corps de souffrance, tout le monde a une histoire, tout le monde machin, mais au bout d'un moment, ça m'impressionne plus. Moi, j'ai besoin de voir quelqu'un qui arrive à surmonter tout ça. Hein, parce que lui, quand il était dans la merde, machin, 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 et il pleurait pour sa divine féminine. Vous avez tout fait. Vous êtes parti. Lui, il est encore là. Pour moi, ça, c'est quelqu'un qui veut rester dans votre énergie. C'est une espèce de gloom. C'est une espèce. Il me fait penser à une sangsue, en fait. C'est exactement ça, quoi. Après, vous allez dire, ouais, tu descends les divins masculins, tu rassembles pas, machin. Il y a beaucoup de runners qui veulent s'en sortir dans la vie, qui veulent faire des efforts, qui veulent ceci, qui veulent faire cela. Bah, peut-être. C'est ce que vous voudriez pour le monde. En attendant, les cartes me disent le contraire. Hein. Donc il a envie, mais en attendant, il est sur une plage là-bas en train de se masturber, bref. Le roi d'action, pourquoi est-ce qu'on a le roi d'action ici? Vous, pendant ce temps-là, les féminines, qu'est-ce que vous voulez? Bah, vous voulez fonder une entreprise tellement que vous en avez marre de ce lien de merde, quoi. Nous avons la justice, c'est exactement ça, vous voulez trouver votre place dans le monde, vous voulez trouver un équilibre. Exactement ça, donc vous êtes en train de manifester la justice, vous êtes en train de manifester un nouvel amour, vous vous accrochez au spirituel. Vous n'avez plus peur des dangers maintenant, c'est exactement ça, parce qu'il vous gonfle le divin masculin. La princesse d'action, qu'est-ce qu'on a dans la princesse d'action ici? On a le Ace of Pentacles qui vient me dire que le masculin, alors bougez pas parce que là, c'est le masculin, il a envie de vous accorder plus de temps peut-être parce que en vous accordant plus de temps, c'est comme ça qu'il est heureux, c'est tout à fait ça que ça peut vouloir dire, mais je vais tirer les autres cartes, nous avons le Ace of Wands. Donc c'est exactement ça. Donc, en fait, le masculin, ce qu'il veut potentiellement, c'est avoir du pognon, du sexe, être bien patati patata. Et il veut se prendre pour le grand warrior comme le Kylo Ren, là, vous savez, dans Star Wars, qui voulait remplacer Dark Vador, mais c'est pas comme ça qu'il va y arriver. Hein. Il me gave, en fait. Vous savez quoi, il me gave, en fait. Le masculin, en fait, il faudrait qu'il se réveille, en fait. Il faudrait qu'il se montre, il faudrait qu'il se réveille, quoi. Il va pas finir comme Kylo Ren. Je veux dire, Kylo Ren, il se réveille quand il meurt à la fin, quoi, dans les bras de sa féminine. Je veux dire, c'est ça l'histoire qui va arriver, là. Il va arriver devant vous, il va s'allonger sur vous, et puis il va faire « C'est toi que j'aimais !» Il va mourir. Putain. J'espère que c'est pas ça que vous attendez, les filles. Hein. Que vous soyez... Ou les hommes. C'est une féminine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voulez que je vous dise quoi? Qui brûle d'amour pour vous et qui va vous apporter quelque chose de concret? Et qui pense qu'il peut avoir encore une petite chance.
C'est possible aussi, hein, on peut interpréter les cartes de mille et une façons. Hein. Le 4 d'épines, on va aller clarifier le 4 d'épines pour vous, s'il vous plaît. Le 4 d'épines, c'est marrant parce que c'est vraiment le chakra racine. Là, on lui dit, mais on lui demande même d'écouter son brahmar et d'aller là où son brahmar le conduit. Pour vous dire tellement la source, elle en a marre. Hein. On lui dit, écoute, ta teub, elle pointe dans telle direction. C'est elle que tu as envie de déchirer. C'est elle que tu as envie de... Enfin, de déchirer les vêtements, je veux dire. C'est ça que je voulais dire. C'est à elle que tu as envie de faire l'amour. C'est à elle que tu as envie de... c'est elle dont tu as envie. Alors, vas-y. C'est exactement ça. Le 4 d'épines ici. Boum, nous avons le soleil. Donc, vous, c'est marrant parce que vous êtes en train de... Hein? Vous voyez, lui, c'est ça et vous, c'est ça. Hein? N'est-ce pas merveilleux? Mais ça, c'est même... Et vous voyez, ça et ça, ça peut... bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, tout ça pour vous dire. On dirait un peu un trou de balle, non? Non, c'est la carte du soleil. Bref, on dirait un anus, un peu, non? Bref, tout ça pour vous dire, mes amis, que vous, bah, vous avez encore des regrets, mais que vous êtes le soleil incarné, mais divine féminine. Je sais, vous allez me dire, je joue du vivant. Vous, ce que vous voulez, c'est tout simplement trouver votre place, le bonheur, et que vous travaillez là-dedans. C'est un nouveau départ pour vous, c'est exactement ça. L'innocent ne peut blesser personne et l'innocent ne peut être blessé. Et maintenant, nous allons prendre le 6 d'épines. Donc, pour moi, c'est presque une féminine un peu nonchalante qui passe à autre chose et qui a retrouvé son pouvoir ici. Il me gonfle, c'est ridicule masculin. Il y en a un qui pleure dans son coin, dans l'ombre, tapis dans l'ombre, comme une espèce de rat. Et l'autre qui n'arrive pas à oublier. C'est vous, les divines féminines. C'est vous. Mais j'ai quand même l'impression que ça avance. J'ai quand même l'impression que vous êtes motivé. J'ai quand même l'impression que... Ce que vous voulez obtenir, c'est la spécialisation. Hein. C'est ma carte du chirurgien. C'est les 10 000 heures de pratique, ça. Hein. Exactement. Le 6 d'épines. Nous allons aller voir donc, le Vénus, donc le cœur du divin masculin, pour comprendre qu'est-ce qu'il a dans le cœur une bonne fois pour toutes. Hein. Le Hiérophant. Donc, on retombe sur la carte du Hiérophant. Hein. Hiérophant ici. D'accord. Donc, ça veut me dire que ce qu'il veut, c'est faire un choix. D'accord. Eh bien, fais ton choix, Coco, parce que moi, je commence à en avoir plein le... Hein. Le diable, putain, c'est exactement ça. Donc voilà, bah, il a un choix à faire entre la spiritualité, le diable, machin, le truc. Ouais. Oh là là, on n'en finira jamais avec ce crétin. Et c'est quoi l'énergie qu'il y a dessous? C'est... Donc encore une fois, ça veut me dire que le masculin... Alors ça peut vouloir me dire qu'il va enfin comprendre quels sont ses torts et travers. Et il va enfin devenir un grand maître spirituel. Il va peut-être que, j'en sais rien, mais... D'un côté, vous avez la justice, d'accord? Et d'un côté, là, il y a le diable. Donc ça vient me dire que... J'en ai marre de faire le truc. Ça avance pas. Ça avance, ça recule, ça me gonfle. Peut-être que le divin masculin... Peut-être que vous allez comprendre que c'est un cas désespéré, en fait. Exactement ça. Ou peut-être qu'il va comprendre à quel point... Peut-être qu'il va enfin comprendre la leçon de l'univers. Peut-être qu'il va enfin comprendre qu'il va falloir qu'il se bouge. Peut-être qu'il va enfin comprendre c'est quoi le courage. Peut-être qu'il va enfin comprendre c'est quoi la détermination. Peut-être qu'il va se mettre à communiquer avec vous. Peut-être qu'il va enfin accepter le lien. J'en sais rien. Je sais, il est très attaché à vous. Oui, c'est un truc de flamme jumelle. Il vous veut, machin. Mais c'est un droit de passage. Tant qu'il ne sera pas vulnérable, tant qu'il n'aura pas pris le courage, il n'a plus rien à faire avec vous, le masculin. Alors, si ça peut vous rassurer... Dans les énergies que je vois là, il est toujours poussé à venir vers vous, à s'exprimer, toujours tout ça. Mais bon, encore une fois, j'ai moins l'impression que, je dirais même qu'il est plus fort que lui. Je devrais pas dire ça, mais il est plus fort que l'univers, ce divin masculin. Ou alors, il est très très con et il a un cerveau complètement annihilé. Ou alors, il est devenu alcoolique, j'en sais rien, mais soit... Je veux dire, soit il est complètement... bref, mais tout ça pour vous dire que moi, si j'étais vous les féminines, je commencerais à m'en détacher. Je suis désolé, hein, mais au bout d'un moment, on va répéter les mêmes choses. Moi, c'est bon, j'en ai ma claque. Allez vous trouver une Kika Samsur, là. Vous allez kiffer avec une Kika Samsur, là. Vous savez, il y a des runners qui veulent travailler. Hein. Moi, je vous dis. Hein. Mais là, on parlait vraiment de The Runner. Quoi. Hein, heureusement que les cartes sont là pour me back-upper un peu, le cutting de deck. On va demander un petit message, une grande sagesse de l'univers ici, parce que j'ai l'impression de devenir impuissant et je ne sais plus quoi vous dire. J'ai l'impression de répéter les mêmes choses et j'ai l'impression de faire... en fait, vous savez quoi? C'est en train de me gonfler les reading flammes de l'univers. Je veux dire, même tourner ça en dérision et rigoler, ça me fait plus rire. Alors oui, toutes les forces de l'univers le poussent, hein, à venir, à parler, à s'exprimer, à ce qu'il y ait une closure, à ce qu'il y ait une rupture. Mais il n'y a rien.
Et dans 2 semaines, je vais me refaire un reading et je vais vous redire la même chose. Il vous aime, il est machin, il quitte la tierce, sa maman, son papa, machin, mes couilles, toutes les histoires que je raconte, et ça change pas. Je veux dire, moi je suis pas, je suis pas là pour ça. Hein. Moi je suis désolé. Hein, je veux dire, au bout d'un moment, soit on termine ce cycle et je peux en commencer un nouveau. Bon, allez. Donc on a la reine des deniers. Bougez pas. Je regarde quel est le message là. Donc beaucoup d'énergie de terre et d'énergie de feu ici. Hein, donc énergie des Sagittaires ici, énergie. Énergie des taureaux, énergie des vierges, énergie de tous les signes de terre, Capricorne aussi. Donc tout ça pour vous dire que vous les féminines, ce que vous avez à faire, c'est très important. Vous devez vous concentrer sur votre travail et sur vous-même et manifester ce que vous voulez manifester. Ne soyez pas dans l'insatisfaction. Vous avez toutes ces énergies jaunes autour de vous. Le soleil, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous portez le soleil en vous, les divines féminines. Donc avancez, travaillez dur. Regardez, il y a un diable qui est caché là. Et le diable, c'est la loisiveté. Loisiveté, mère de tous les vices. On vous demande d'avancer. On vous demande de ne pas rester sur un siège de marbre à vous prendre pour des grandes divines féminines. HPU, HPU, HPQ, HP mes couilles. D'accord? On vous demande de ne pas vous mettre dans des cases. On vous demande de vous libérer. D'accord? Hein? D'être des HP potentiels, machin, tout ce que vous voulez. Le zèbre, seul animal dans la nature qui ne peut être domestiqué. Apprenez l'humilité, d'accord? Et vous allez me dire, Jay, bah, toi, commence à apprendre l'humilité. Donc, apprenons l'humilité tous ensemble, mes divines féminines. Donc ça va me dire que, encore une fois, au lieu d'être là, de pleurer, de vous poser mille et une questions, on vous demande de bosser, d'accord? On vous demande de vous occuper de vous. Vous avez les moyens d'y arriver, d'accord? On vous demande de bosser, on vous demande de cogiter, on vous demande de bien vous reposer, de bien vous alimenter pour créer, pour préparer à faire. Et regardez, bim, parce que ce que vous voulez, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau truc. Et encore une fois, vous êtes poussé en ce moment à la réalisation. Ne vous occupez plus du divin masculin qui est, franchement, bref, il est dans le caca, le divin masculin. Donc, laissez-le dans son caca et vous avancez. Avancez sans relâche, d'accord? Voilà. Et pour terminer, regardez, dessous, hein, on enlève ça et qu'est-ce qu'on a? Boum, on a la Nine of Pentacles. Donc, on a la Pre-Impress, c'est exactement ça. Une nouvelle histoire d'amour, quelque chose qui vous fait plaisir ici. Vous êtes sur un nouveau départ et l'ange Michael vous guide, c'est exactement ça. Ça, c'est l'autre baltringue qui revient là. Avec la carte du monde ici. Donc ça peut vouloir me dire que les choses pourraient changer, que les choses vont changer, mais que si les choses doivent changer, c'est vous qui devez les provoquer, mes divines féminines. C'est clair et net. Et bah, je suis désolé, hein, c'est reading bateau, mais c'est exactement les énergies du moment. Donc si vous êtes encore dans la souffrance, si vous n'arrivez pas à dormir le soir, si vous attendez votre masculin et tout ça, et ben c'est que vous n'y êtes pas, mes divines féminines. Donc dans ce cas, allez voir les readings d'avant, recommencez depuis le premier, vous allez voir Twin Flame, machin, regardez-les tous dans l'ordre. Mais en ce moment, ce que je vois, c'est vraiment les énergies du moment. Vous voulez que je vous tire un petit oracle? Allez, je vous tire un petit oracle. Je vous tire un oracle. C'est très bon signe quand le monde extérieur ne vous comprend pas. Cela prouve que vous êtes unique au monde. Ça, c'est pour vous. La gratitude permet de reconnaître que tout ce qui paraît a priori normal est au fond exceptionnel. Ça aussi, c'est pour vous, les divines féminines. Et quelque chose me dit qu'il y a un message pour moi aussi là-dedans. Je ne sais pas pourquoi. Au-delà de toute volonté, c'est exactement ça. Le corps s'autogère tout seul. La vie met le corps en mouvement et le pousse dans diverses directions. Les pensées et les émotions apparaissent et s'évanouissent spontanément. L'intuition jaillit en un éclair, souhaitons-lui, c'était peut-être ça le Ace of Swords, sans anticipation. Réalisez que la vie orchestre absolument tout. Et oui, les divines féminines. Grande sagesse de l'univers. Je vous dis à très bientôt, ça m'a fait extrêmement plaisir. Merci à la source pour ces beaux messages apaisants de fin.
Et je voulais vous dire que je vous aime tous et toutes et je vous souhaite une excellente soirée. Bye, ciao bye. Ou une bonne journée si jamais vous allez au taf. Gros bisous.